بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين مدام مسيو شيخ شيخ فهم مرحبا بكم merci de nous rejoindre ce canal Algérie d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux Dr Johim merci d'être des nôtres d'ailleurs comme toujours vous êtes toujours là pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Alors, préoccupation quant à l'application quotidienne de la religion. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition, mesdames et messieurs, un numéro de téléphone pour nous contacter, pour poser vos questions. C'est le 00-213-21-23-98-91. Ainsi qu'un email à vie religieux attaché à @gmail.com. En attendant les appels de nos chers téléspectateurs, aujourd'hui nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question, Dr Djouri, je vis en France et voudrais savoir si c'est halal de donner mon sang dans la mesure où il y a de fortes chances pour que mon don bénéficie à une personne non musulmane. Merci. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Normalement, cette question ne doit pas être posée, mais heureusement qu'elle a été posée parce que on découvre qu'il y a des soucis quant à la compréhension de notre religion. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de valeur à l'être humain ou à l'âme humaine, sauf si elle est musulmane. Non. Allah azza wa jalla a fait en sorte que l'âme humaine soit glorifiée, soit prise en considération, hautement prise en considération, telle qu'elle soit, sa conviction. Allah Azza wa Jal nous a dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » L'homme en soi. Nous avons honoré l'homme en soi, tout être humain issu d'Adam alayhi as-salam. Et puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran par rapport à la, on va dire, au rétribut de celui qui sauve une vie, il n'a pas précisé de quelle vie s'agit-il. Allah Azza wa Jal يقول كتبنا عليهم فيها انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. C'est-à-dire Allah Subhanahu wa Ta'ala a prescrit dans tous les livres précédents, le livre du Coran et dans le Coran aussi, que toute âme qui a été tuée par quelqu'un sans qu'il y ait une raison légale, valable, c'est comme s'il a tué toutes les âmes appartenant à l'humanité. Il a tué toute l'humanité. Et celui qui a préservé... Et celui qui préserve une âme humaine, c'est comme s'il aura une rétribution, une récompense pareil, voilà, à celui qui va sauver toutes les âmes humaines. Alors donner son sang, c'est sauver une vie. Et vous aurez, inshallah, cette rétribution, cette récompense-là, telle qu'elle soit, cette âme-là, une âme musulmane ou une autre âme. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais précisé quelle est la religion de cette âme-là. C'est-à-dire notre religion a sacralisé la vie humaine. Voilà, bien sûr. En soi, la vie humaine. D'accord. Et parmi les grandes finalités qu'on appelle le maqasid al-kubra de notre religion, c'est de préserver la vie. La vie humaine, le hifd an-nafs, c'est en deuxième lieu après le fait de préserver la morale, la religion en elle-même, qui est une grande finalité bien sûr.
En dessous de cette finalité-là, il y a directement, avant de penser à autre chose, il y a le fait de préserver la vie humaine. Et nous avons au bout du fil Madame Safia de Rochefort. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Rochefort, oui. Ouais. Comme le fromage Rochefort. Très bien. Allô, Madame. Alhamdulillah. Voilà, j'ai posé la question. Je voulais poser une question. Je vis avec des animaux. Je suis une adhérente d'une association et je sauve quelques chats qui sont en détresse ou maltraités. Et j'en ai 5. Ouais. Et j'ai un petit Yorkshire. Je fais la prière. Oui. Et le problème, c'est que chacun me dit. Les musulmans qui sont sur Rochefort, qui sont très peu, chacun me dit quelque chose, que c'est haram, que... L'impureté, peut-être, najasa. Par rapport à l'impureté. Voilà. Ouais. Je voulais savoir juste la vérité pour savoir quoi faire de ce petit chien. Je ne peux pas le jeter, ça fait 8 ans et demi qu'il est avec moi. Des chiens ou des chats ? Des chiens ou des chats, madame ? J'ai 5 chats et un petit Yorkshire. D'accord. Très bien. Voilà. Et c'est des animaux que j'ai sauvés. Je ne peux pas les mettre à la rue. Bien sûr. Je pense que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala les khalqhom. Bien sûr. Voilà, c'est des créatures de Dieu, quoi. C'est clair. Voilà. On va vous répondre, madame. Marhaba. Merci, Khouya Taïch. Qu'Allah vous rétribue et vous donne la récompense. Tel que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a enseigné qu'un homme a sauvé un petit chiot, un chien, parce qu'il était dans un Sahara, il allait dans un désert, il allait même prendre de l'eau pour c'est-à-dire le donner à ce chien-là en entrant dans un long puits, hein, et en apportant cette eau-là avec sa bouche, donc dans un soulier. Et à plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala a vu cet acte noble qu'il a fait et il l'a récompensé par le paradis. C'est ça que peut-être les musulmans doivent en quelque sorte faire sortir de leur patrimoine comme des perles rares de textes qui appuient en quelque sorte cette tolérance-là qui se trouve au sein de nos enseignements de notre religion. Bien sûr que vous avez une grande récompense, inshallah, et faites cette intention-là de faire ceci pour Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant votre prière, il n'y a pas de souci dans cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les chats, il n'a pas dit qu'ils sont impurs ou il y a un souci. C'est-à-dire c'est des animaux qui circulent au quotidien auprès de nous. Tawafin wa tawafat ou tawafat alaykum, dans un hadith très célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a même un compagnon très célèbre, un rapporteur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Dossi Soumia Abu Huraira, c'est-à-dire qu'il a été nommé par cette appellation-là, Abu Huraira, parce qu'il avait toujours un chat avec lui, qui circulait avec lui, et les gens le remarquaient jusqu'à ce qu'ils l'ont appelé par cette manière-là Abu Huraira. Concernant les chats, il faut éviter seulement leur impureté, c'est-à-dire les selles qu'ils dégagent. Sinon, il faut laver. Si ouais, il faut laver, il faut faire attention. Sinon, pour le chien, il y a autre chose que cela, que les selles ou les urines. Il y a aussi la salive. Il y a aussi la salive du chien. Quand un chien dégage sa salive sur notre corps ou sur notre habit, il faut seulement laver cette place-là et nos ablutions ne sont pas annulées. Ils sont toujours valables. Il faut se dégager toujours, c'est-à-dire il faut toujours se laver l'endroit
où cette salive nous a touché. Très bien. Nous avons avec nous M. Hanafi de Tizi Ouzou. Allô, c'est Hanafi. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba. Salam. J'ai deux questions nettes et précises. Très bien, la première. La première, je suis diabétique. Aïwa. Je suis sur fauteuil roulant. Très bien. Handicapé. Mmh. Je ne fais pas carême. Vous êtes dispensé. Je prie. Mais je fais ma prière. Qu'Allah Azza wa Jalla. Très bien. Je fais ma prière. C'est-à-dire que vous ne faites pas le jeûne par avis du médecin. Bien sûr. Comment se fait-il que tu manges le ramadan, mais que tu pries? Non, c'est... Puisque tu es dispensé. Mais vous êtes dispensé. Très bien. Arjou, Cheikh Jori, je vais vous parler en kabyle. Très bien. Si vous voulez. Vous pouvez, Je me suis dit, La deuxième question, oui, est que dans ma prière, je ne sais pas réparer ma prière. Quand il y a une erreur dans ma prière, je la refais totalement. Non, il faut qu'on lui laisse votre numéro de téléphone. Voilà. Là, vous allez me contacter en privé, parce que ça prendra du temps. Merci. Avec la région, ils ont le numéro de téléphone, Dr Jouhri. Normalement. On va vous donner, parce que c'est très détaillé. Voilà. Il y a trop de détails là-dessus, donc ils vont vous donner le numéro, Dr Jouhri. Pour la deuxième question. Inch'Allah. D'accord, Monsieur Hanafi. Pour la deuxième question, hein. Oui. On va vous donner le numéro. Essayez d'éteindre la télé. Très bien. Pour la première question. Pour la première question, du moment qu'il est dispensé, c'est-à-dire il y a un avis médical, il y a un empêchement lié à sa santé. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj ». Il ne doit pas jeûner. Il ne doit jamais jeûner. Il lui est interdit de jeûner. C'est bien. Il lui est interdit de jeûner pour... qu'il ne tombe pas dans la gêne, qu'il n'aggrave pas sa maladie ou son cas de santé. Comment c'est-à-dire faire cela et ne pas être dans la gêne, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une règle générale. C'est que lorsqu'il y a une gêne, lorsqu'il y a un empêchement, Allah subhanahu wa ta'ala donne une certaine permission. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne responsabilise pas une âme sauf s'il a la capacité de faire quelque chose. Dans un autre verset, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, c'est-à-dire dans le culte ou les obligations liées à l'argent, aux moyens matériaux, Allah subhanahu wa ta'ala ne te responsabilise pas devant des cas où tu ne peux pas honorer cette responsabilité-là, comme le hajj, on va dire. Oui. C'est-à-dire, tu seras dispensé si tu es au hajj, zakat, etc. Et pour la capacité physique, il y a la capacité physique, c'est lié directement au jeûne du mois de Ramadan. Sauf la prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les textes bien sûr du Coran, ni dans les textes du prophète alayhi wa sallam, n'a jamais donné en quelque sorte permission de négliger sa prière, de la laisser, de ne pas l'accomplir. D'ailleurs, un jour, le prophète alayhi wa sallam a rendu visite à un malade, un compagnon qui était malade,
Et ce compagnon-là a interrogé le prophète, alayhi sallam, parce qu'il était alité. Il l'a interrogé par rapport à sa prière. Et le prophète, alayhi sallam, lui a indiqué qu'il pouvait faire sa prière en étant assis, et s'il ne pouvait pas, en étant allongé. Et s'il ne pouvait pas parler, il pouvait même réciter, en quelque sorte, avec ses yeux, ses paupières. Voilà. C'est-à-dire que le prophète n'a jamais laissé déçu pour un malade qu'il délaisse en quelque sorte sa prière, sauf s'il a perdu la raison. Là, il est exempt, dispensé de toute responsabilité maintenant, par rapport aux obligations et interdictions religieuses. Par rapport aux deuxièmes questions, comment faire lorsqu'il a... Là, il y a trop de détails. Non, il y a un autre volet dans la première question, car il nous a interrogé en kabyle pour citer le nizam de Tajma' en kabylie. C'est-à-dire, si c'est cet argent-là que tu donnes à Tajma', c'est-à-dire l'assise publique du village ou de la famille, etc. Si cet argent-là est utilisé directement pour subvenir aux besoins des nécessiteux, il n'y a pas de souci dans cela. Mais si cet argent-là est destiné pour autre chose, même pour construire une mosquée, comme exemple, ou pour autre chose, là, vous n'êtes pas dispensé, en quelque sorte, de refaire cette quittation de votre fidia pour les années précédentes dans lesquelles vous avez donné cet argent-là à Tajma'at du village. Dohre, avant de continuer, nous avons au bout du film M. Sid Ali de Paris. Allô, Sid Ali. عليكم السلام. سلام. في سؤال شوية صعيب. ما دبي نعرف ما من الإمكانيات لطفلة مسلمة أن تزوج مع كونفيرتي. مع؟ مع كونفيرتي إنسان من جنسية جنبية ولكنه مسلم. كي سي كونفيرتي على الإسلام. فوالا. لا كيسيون سي الحكم. Très bien. Enfin, tout ce qui permet de savoir si c'est possible ou là. D'accord. Très bien, M. Sid Ali. On va vous répondre. Merci. Quelqu'un qui s'est converti à l'islam est musulman. Voilà. Celui qui se convertit à l'islam est devenu, c'est-à-dire une personne appartenante à la communauté musulmane. Nous, on ne parle pas de nationalités différentes. Nous sommes tous frères de religion. Que ça soit de Jakarta jusqu'à Tanja, dans le monde musulman, ou celui qui est aussi en dehors de ce monde, entre parenthèses, qu'on appelle le monde musulman, toutes les communautés musulmanes appartiennent à une seule nation qu'on appelle la nation musulmane. Et on a des darwas et des devoirs communs, en quelque sorte, par rapport à cette fraternité-là qui nous rallie et qui tisse, en quelque sorte, des liens cultuels, des liens culturels, des liens sociaux et des liens religieux entre les musulmans. Du moment qu'il s'est converti à l'islam, bien sûr qu'il peut épouser une musulmane algérienne, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la musulmane ne se marie qu'avec un musulman. Et du moment qu'il s'est converti à l'islam, on peut le mettre à l'épreuve, parfois, parce que peut-être, on a peut-être quelques soupçons, par rapport à sa pratique, si etc. Est-ce qu'il a prononcé seulement, c'est-à-dire le témoignage de la shahada rien que pour se marier, etc. On lui laisse un petit temps comme ça, où il va exercer la religion, il va connaître, on va le tester. Lorsqu'on arrive à cette conviction qu'il a adhéré, en quelque sorte, dans la nation musulmane, à mes consciences,
Là, bien sûr, qu'il est permis à une musulmane de se marier avec. Là, pour la deuxième, ce que vous venez d'évoquer, c'est pour le comportement. Même si c'est un Algérien, il faut s'assurer de son comportement. Ah ben oui, c'est ça. Hein. C'est pour le bien de la voilà, fille, très bien, pour le bien de la, la mariée. Très bien. Mais c'est bien de le préciser, oui. جاءكم من ترضون دينه وخلقه. As par rapport à sa conversion, à partir du moment qu'il s'est converti. نتعاملش القلوب مع الله. خلوها لا شخ تاع قلبي. قلبي, voilà, c'est ça. Donc تعامل مع الظاهر. Alors j'adhère à votre avis. Très bien. Et nous avons Boudoufi Oum Zakaria de Paris. Allô Oum Zakaria. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Essayez d'élever la voix, on n'entend rien. Ouais, bref, on voilà, on a un petit mouchkin, béni, on est obligé. Et on a fait bled, mais jamais quoi, c'est n'aime rien. Et la dernière fois qu'il y a deux semaines, en fait, un homme rida, ou c'est pour le souriez, que le chat y a un affaire. Et on m'a dit que le bled, ou l'air, ou l'air, mais il brille, il y a un bled, que le bois a fait bled. مين قلت بلي أنا مريضة وما قدرتش بوحدي مسؤولية تاع الدار ومسؤولية تاع الخدمة برا تاع الدراري هي قال لي شاندي سي قال لي بدلي الديسك هي اللي بدا مريضة واللي بدات تشكي بالمرض نتاعك دبرات كي بدلي الديسك ما عندكش حتى هدرة واحدة أخرى تهدريها بغيت نشوف معاكم باسكو أنا ما نجمتش بوحدي مسؤولية هنا في فرنسا راهي صعبة بزاف ولا ما كانش بين زوج يخدموا علاش عليا أنا يانا وهو لا ما يدير والو Le fait de demander le divorce. Oui, je voudrais demander le divorce. Si par exemple, est-ce que c'est haram ou pas? Très bien. Il est jamais fixé, jamais ou fixé, jamais. Mais c'est de même sa mafia ou on a mis à le bled ou truc n'est ou le truc pro ou on a mis chaud de ça ou la pour ma fille qui aime le chacun. Ou maintenant, mais c'est de nous dire que oui, mais ou الاخر قلت انا صاحب البلاد سبحان الله هما يعاونوا نساهم هما اللي يخلصوا عليهم هذه المشكله علاش عليا انا اللي كلش عليا انا في الدار خلص الفراخ نخدم بالراج الداخل وما التالي هو يزيد يطيح بيا اون فيت سي كلير وي اون ا بيان كومبري فوتر كيستيون ام زكريا اون فا فو ريبوندر ان شاء الله دكتور جوهري le fait de délaisser oui. sa famille est un grand péché. C'est un grand péché, mais c'est-à-dire, elle a suffisamment d'excuses pour demander le divorce, bien sûr. Ah. Bon, commençons d'abord par ce qui concerne son mari, s'il est à l'écoute. Hein. Le prophète, alayhi salam, dans un hadith, il a c'est-à-dire ancrer cette responsabilité-là de l'homme vis-à-vis de sa famille sous sa charge, c'est-à-dire ceux qui sont sous sa charge. Il a dit « La'ajidu a'azama dhanban 'inda Allah mimman yudayyi'u man yaqut ». Je n'ai pas trouvé de péché plus grave que le péché de celui qui a une responsabilité d'une famille ou d'une personne ou de plusieurs à sa charge et qui les délaisse comme ça. Ça sera une grande responsabilité le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que dans un autre hadith aussi il dit inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidha am dhayya yawm al-qiyama inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah yawm al-qiyama ahafidha am dhayya c'est-à-dire on rendra compte devant Allah subhanahu wa ta'ala pour n'importe quelle responsabilité qu'on a sous notre égide ou là sous notre voilà et on aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'on a accompli honorablement notre tâche ou on a délaissé ceux qui sont sous notre charge alors c'est un grand péché que tous ceux qui nous écoutent maintenant qui nous regardent fassent attention par rapport à sa question elle a tout le droit après avoir bien sûr essayé avec lui essayé de faire entrer aussi d'autres personnes de sa part de la part de ce mari là in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma s'il n'y a pas moyen elle dégage une procédure judiciaire
d'abandon de foyer, pour abandon de foyer et de tâches, c'est-à-dire de ce mari-là, et qu'elle demande le divorce. Elle en a tout le droit. Bien sûr, par rapport aux détails évoqués par moi. Parce qu'il y a toujours un hadith là que certains évoquent. أيوم امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس. Il faut souligner cette citation là من غير ما بأس. Si ce n'est pas justifié. Voilà, si ce n'est pas justifié. Mais pour Madame Zakaria, selon les détails qu'elle a évoqués. Selon ces détails là, elle a tardé, bien sûr, elle a tardé de dégager cette procédure. Très bien. Nous avons avec nous Madame Saïda de Paris. Allô. Allô. Oui. بخير سي 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 اون فوزي كو تري بيان يعطيك الصحه انا حبيت نسقسي الشيخ بك على واحد المساله هكذا عندنا لا فامي على نسبة عايشين هنا في فرنسا مي عندهم لو بيان تاعهم تما في الجزائر الو وي وي راك تسمع خطرة انا دي مانيش نسمع فيك مليح اسمح لي ما لا نسمعوك نسمعوك يعطيك الصحة الوغ عندهم الورث تاعهم تما مي ما يحوسوش عليه على كل حال عندهم واحد هكذا 50 سنة ولا ما داروش رجلهم في البلاد باباهم مات وبقى كلش مبوندوني فهمتني الوغ دوكا كيف كاين ولاد كاين ناس اللي يكونوا لهم دومونداو هذا الرزق هذا ولاد خوهم ولاد خوهم يعني هما ماشي مثل هادو مزوجين مع قاوريات يزوجوا في ليكليز ما يقتلوش ولادهم فهمتني خارجين كاع من لاخر مي سون دي زيريتي يجيبوا لنا لابروف بلي هاد الناس راهم داخلين في هاد الشيء بدلوا الدين بدلوا إلزون شونجي الدين خارجين خارجين ما يصوموا ما يصلوا ولادهم قلت لك باتيزي في ليكليز الا ماتوا دفينا في الجبانه تاع القوار Mais il faut qu'ils dégagent. Est-ce qu'ils ont déclaré le fait qu'ils ne sont plus des musulmans? Est-ce qu'à droit à l'année? Hein? قالوا لهم لازم تجيبوا لنا لابروف باللي الناس هادو ما مسيحيين. فوالا سي سي بروسيدورال سي بروسيدورال هذا سي سي بروسيدورال هذا اجرائي كاين اجراءات ابسيرفا سويف بور وي سي الاداره تاع الوثائق وي يا بصح كاينه حاجه بتاتر بون سي بروسيدورال كيما تقول ما ترمي كاري لا لوا de la famille. La loi de la famille a commencé à être exercée depuis 1984. Si je ne... voilà. Est-ce que la loi, on peut l'appliquer, c'est-à-dire pour des années précédentes, parce qu'elle dit que leur père ou leur grand-père était mort depuis une cinquantaine d'années. Ouais. C'est pour cela. Sinon, s'ils ont changé de religion et le procureur ou le juge demande des preuves qu'ils ont changé de religion, c'est à eux de prouver cela. Docteur Jouhri. Oui. Pour la règle, quelqu'un qui a changé de religion et n'est plus héritier. Voilà. Ça, c'est la règle. Ouais. Mais le problème, pour eux, c'est procédural. Donc, voilà. Il faut l'accompagnement d'un avocat. Voilà, c'est par ça. Par exemple, voilà. Il faut avoir un avocat pour voir toutes les procédures nécessaires et les papiers nécessaires. Ouais. Comment... Et pour préciser seulement aussi cette règle dans l'héritage, c'est que ce n'est pas une règle seulement qui s'applique à quelqu'un qui a changé de religion pour le priver de l'héritage. Ça s'applique aussi aux musulmans. C'est-à-dire, si son père a changé de religion et lui, il reste toujours musulman, à la mort de son père, il ne va pas hériter aussi. C'est-à-dire, la différence de la religion interdit l'héritage. Vice-versa. Ça s'applique aux musulmans comme ça s'applique à autrui.
واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين دكتور جوري الله يبارك nous allons faire une toute petite transition restez avec nous أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
Docteur Jouhré, nous, nous continuons avec les questions qui nous sont parvenues par email. Allez, je rentre le 14e. Bonjour. Oui. Est-ce qu'une personne mariée, sans enfant, et gagnant 40 000 dinars par mois, mais endettée, est-ce qu'elle est censée recevoir la zakat? Recevoir. Bien sûr, ben, du moment qu'elle est endettée, qu'elle ne peut pas peut-être rembourser. Parmi les 8 bénéficiaires de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-gharimin. Al-gharimin, ça veut dire les gens lourdement endettés qui ne peuvent pas en quelque sorte rembourser leurs dettes dans l'immédiat ou dans les délais très proches. Même qu'elle gagne beaucoup plus que ça, du moment qu'elle est lourdement endettée et qu'elle est en difficulté pour rembourser ses dettes, elle peut en bénéficier. Très bien. Nous avons au bout du fil Madame Samia de Blida. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Bonjour, marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, j'ai, s'il vous plaît, deux questions. La première? Alors, la première concerne Sillat al-Rahim. Alors, moi, je suis l'aînée de 11 enfants. J'ai 62 ans. Et bon, depuis toujours, j'ai toujours aidé mes frères dans tout. Et en particulier la Benjamine, qui a maintenant à peu près, elle est née en 78, donc vous faites le calcul. 40 ans. Et surtout celle-là, je l'ai aidée financièrement, sur, psychologiquement. Vous pouvez dire comme si je la considérais comme ma fille. Très bien. Et les frères aussi, c'est la même chose. Donc je les ai aidés. J'ai été toujours présente dans toutes les situations. Mais maintenant, je vois qu'il n'y a pas de répondant. Enfin, c'est pas un répondant, mais quand on est âgé, on aimerait bien qu'on soit entouré, qu'on nous téléphone, qu'on... Naturellement, oui. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est comme si j'ai abouti tout mon cœur et actuellement que je suis à la retraite. Il y a une rupture. Voilà, c'est pas une rupture totale, mais c'est pas parce que j'ai compté. Un oubli. Et alors, qu'est-ce que j'aimerais savoir cet état de fait? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est normal? Ou bien je suis trop exigeante ou... Peut-être aussi. Elle sera trahée. Pour la deuxième question, madame. La deuxième question concerne mes parents. Alors, mon père, il a prononcé plusieurs fois le divorce. Talqaq, avec Mharma, c'est pratiquement, c'est plus d'une centaine de fois. Oula. Et ma mère, elle n'est jamais sortie de la maison. Non, il dit talqa ou la kim harma, ça diffère. Il dit la kim harma aliya, je ne veux plus te voir, la kim talqa, la kim talqa, donc il prête plus d'une centaine de fois. Et alors j'aimerais savoir, au niveau de la charia, la situation de ma mère concernant... Vos parents sont vivants. Pardon? Les parents sont vivants. Oui, ils sont vivants. Très bien. Il y a une sœur qui vit toujours avec elle, avec eux. Ouais. Elle n'est pas mariée. C'est la seule qui n'est pas mariée, elle vit avec eux. Très bien. Alors, quelle est la situation de ma mère? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vraiment divorcés? Elle n'a pas où aller. C'est sa maison. Et ça relève d'autres détails, beaucoup de détails. Madame, si on vous laisse le numéro de Dr Jouhri... Parce qu'il y a beaucoup de détails à demander là-dessus pour la deuxième question. On va vous flariger, on va vous laisser le numéro de Dr Jouhri pour la deuxième question. Ah oui, merci, ça c'est très gentil. Il y a trop de détails, donc il va vous demander trop de détails, le Dr Jouhri. Merci, c'est avec la régie pour la première question. Ok, merci. Merci. Concernant la première question, lorsqu'on
on attend en quelque sorte un retour pour les actes nobles qu'on applique au quotidien. Là, on sera bien sûr déçu. Mais lorsqu'on fait ces actes-là, c'est-à-dire pour Allah Azza wa Jal, même qu'on est déçu parfois par le retour qui n'est pas en quelque sorte adéquat et conforme à ce que nous avons investi, comme elle a précisé, on n'aura pas une grande déception du moment qu'on, c'est-à-dire qu'on pratique cela avec une ultime conviction. La seule, c'est qu'on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, vos frères et sœurs, c'est-à-dire doivent vous rendre le bien, parce que une personne qui ne rend pas le bien aux gens qui lui ont fait du bien est une personne avare, on va dire. Ça écœure. Bien sûr. Ça touche vraiment. Mais il faut pas s'attendre à beaucoup, parce que on vit dans un monde aujourd'hui où toutes les valeurs sont diminuées en quelque sorte. Que ça soit le respect, que ça soit d'être humble, ou là que ça soit les relations de fraternité. C'est beaucoup plus lié. Maintenant, les relations sont beaucoup plus liées au matériel que l'émotionnel. Mmh. Il faut pas s'attendre à beaucoup de choses, sauf lorsqu'il vous délaisse dans des moments de détresse, dans des moments de maladie, dans des moments de besoin, etc. Il ne cherche pas après vous. Là, vous avez tout le droit, bien sûr, de les interpeller et de les remémoriser en quelque sorte qu'il y a un sang qui vous lie entre vous. Sinon, vous êtes récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que vous avez fait. C'est ça l'essentiel. C'est concernant sa question. Est-ce que je suis trop exigeante? Peut-être. C'est normal. Vous avez le droit de l'être, parce qu'à un certain âge, voilà, on a besoin d'être entouré. D'être entouré, d'être, de recevoir de l'affection. C'est normal. C'est ça. Et il faut que les autres comprennent ça. Peut-être parfois aussi parce que vous étiez déjà... vous êtes en retraite. C'est-à-dire, quand vous étiez... travailleuse, on va dire, etc. Vous ne faites pas attention peut-être à ces choses-là parce que vous étiez occupé. Très bien. Et du moment qu'il n'y a pas cette occupation, on commence à réfléchir en quelque sorte. Parfois calculer. Et à calculer les choses, etc. À se poser des questions. Du moment qu'il n'y a pas en quelque sorte quelque chose de karahia ou là. Oui, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de grand problème. C'est un oubli peut-être, et les gens sont occupés dans leur vie à chacun, sont pris par les préoccupations, etc. Peut-être c'est un oubli, ce n'est pas prémédité en quelque sorte. Du moment que ce n'est pas prémédité, Rabbi subhanahu wa ta'ala... Très bien, docteur Djouli. Pour la deuxième question, parce que vous avez trop beaucoup de questions, beaucoup de détails. Moi, je veux les orienter vers un imam à proximité prendre le temps de raconter à chaque fois où ce mari-là a prononcé le divorce à l'encontre de sa femme. Très bien. Madame Sarah de Doran. Madame Sarah. Allô, elle est toujours avec nous, elle est partie. Allô. Très bien, Berek. Elle est partie, d'accord. Trouvez une question, docteur Djouli. Je suis divorcé civilement depuis 2013. Et depuis ce temps, mon ex-mari me dit que je suis toujours sa femme, car il ne m'a jamais répudié. Je vous remercie par avance de votre réponse. Du moment qu'elle est divorcée civilement, ça veut dire qu'il y a avis et jugement d'un juge.
Donc, c'est un divorce. Alors, c'est considéré un divorce, bien sûr. Elle est divorcée, elle peut se remarier. Après observer la... Voilà, une période de vétuité. Là, depuis 2013. Monsieur Abdel Wahab de Paris. C'est Abdel Wahab, marhaba. Bonsoir. Bonsoir, Aslama. Je suis à la salle de travail. Pardon? Oui, oui. على ثلاثة صباحي والله من نهار الوالدة توفت الله يرحمها الله يرحمها 2014 كروا الله فاميلة سي فوالا واحد بلا يحوس على واحد سيفسوفو ما لغوش واحد يحوس على واحد قولو رسواطا ستي الكاتاليزر Donc, est-ce que Yassalat al-Rahim a dit, elle est que pour moi ou là pour tout le monde? D'accord. Très bien. C'est-à-dire, lui, voilà, il fournit un effort. Moi, j'ai été cette année en vacances. C'est-à-dire, personne ne voulait moi. Hein. Mais un test seul, vous êtes en train de fournir d'efforts dans ce sens. Pardon? C'est-à-dire, toi, vous êtes seul à fournir d'efforts dans ce sens pour garder les liens. Bien sûr, oui, oui. Allah y a ajrak, inshallah. Mais eux, ils ne veulent pas. Voilà. Par délaissement, ils par négligence. Personne. On néglige, on ne sait pas comment. Voilà. Merci, c'est Abou Wahab. Ils veulent les liens, mais eux, ils ne veulent pas. Ben, je ne peux rien faire. Oui, oui, oui. Allah y a ajrak. On va répondre. Maître Migari, c'est-à-dire il y a des dictons dans notre culture, dans nos coutumes, traditions, etc. Ces dictons-là, c'est-à-dire parfois reflètent la réalité. Hein. Mm-hmm. Souvent. Okay, souvent, voilà. Reflètent la réalité. Bah, souvent, c'est vrai. Mm. C'est que les parents, qui ont le baraka. Et d'ailleurs, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la mère d'une personne meurt, il y a des anges qui l'interpellent, ils l'appellent sans qu'il l'écoute, qui lui disent ça y est, celle à qui nous avions une certaine considération pour vous donner nos bénédictions, est morte. Là, faites à ce que nous vous donnons notre bénédiction par rapport à vos actes. لَقَدْ مَاتَتْ تِلْكَ الَّتِي كُنَّ نُكَرِمُكَ لِأَجْلِهَا فَعْمَلْ عَمَلًا نُكَرِمُكَ لِأَجْلِهَا. Il est en train de faire. Et c'est ça, c'est-à-dire lorsqu'il y a les parents, il y a toujours ce catalyseur-là qui rassemble, le rassembleur. Oui, ça arrive souvent, mais il faut faire de l'effort. Voilà, pour garder du moment qu'il fait l'effort, il faut continuer à faire les efforts parce que vous ne savez pas, peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, Allah subhanahu wa ta'ala guidera vos frères et sœurs pour renouer les liens avec vous. Et soyez patients, inshallah, et fournissez davantage d'efforts. Et Madame Safia est de nouveau avec nous, de Rochefort. Oui, oui, je suis désolée de vous déranger encore. Mais non, marhaba, marhaba. Mais seulement, il reste peu de temps, donc essayez d'être... Bref. Bref. Voilà. Je peux... Oui, oui, vous pouvez, madame. Oui, d'accord. Voilà, j'ai perdu mon mari en 84. Mmh. Et moi, depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours fait la prière. J'allais à Bab el-Oued, à la mosquée. Mmh. Et puis, bon, je me suis mariée, mon mari est mort, hein, mon défunt mari est mort. Et là, j'ai dégringolé, toute ma famille m'a laissé tomber, j'ai dégringolé. Et j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans notre religion. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est de voler pour manger, parce que je vivais dans la rue pendant 18 ans. Du moment que vous avez ce sentiment là de regretter, ce sentiment déjà, et vous avez versé des larmes pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que Bou'alam ou Allah Issa,
Parce que là, on consente avec vous. Allah Azza wa Jalla est plus consentant et plus miséricordieux. Et il sent votre, en quelque sorte, votre douleur. Et il vous prête, Inch'Allah, son pardon. Le regret profond. Voilà. Al-Nadam wa Tawba. Voilà. C'est ça. Je suis quelqu'un de très bien. Je suis quelqu'un de très généreux. Alhamdulillah. Je voulais vous poser une deuxième question. Je voulais savoir d'abord si Rabbi Ghafour Rahim voulait vous parler ce que j'ai fait. Madame, c'est docteur Joël, on n'a plus de temps. Al-Hassanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres compensent. Efface les. Peut-être la semaine prochaine, si vous avez toujours. On n'a plus de temps. Désolé, madame. Très bien. On vous attend, si vous voulez, la semaine prochaine. Docteur Joël, merci pour vos réponses. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, d'autant fait les ayats Allah wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ثبتني على هذا الدين الله واغفر لي والمسلمين الله